On va, on en aura des rôles de côté. Hein. J'espère que ça sera trop bonne. Ah ben, c'est toujours bonne. Quelqu'un derrière aussi, non ? Apparemment, il a coupé le moteur et il bougera pas. Ah ben non, il bougera pas. Ah non, il a les ordres. Hein. Tu vois, parce que normalement, il suit les piquets rouges. Mais là, ils vont faire monter. Tu vois, les piquets rouges, ils vont à droite, à gauche, là-bas. Où les gars sont en train d'avancer. Ouais. Oui, normalement, il suit les rouges. Il suit les rouges. Bah là, ils l'ont fait changer de ligne. Hein. Also es geht nicht gegen Sie persönlich, dass Sie das richtig verstehen, bitte. Ja. Also es geht in keinster Weise gegen... Wir können Ihnen sogar, wenn Sie Lust haben, großer, geht nicht? Okay. Also es geht nichts gegen DMT persönlich, ja. On appelle la presse en ce moment ou pas? Non, peut-être pas là. Pas la ranger, là. Tu peux leur communiquer, tu peux leur dire. On appelle France 3 ou pas? Oh, allez. Bah, allez-y. Ouais, appelle-les toujours, on verra bien. Bah, s'ils arrivent, le temps qu'ils passent la route. Ouais. Bah, ce sera des images d'un Leduc. Ouais, France 3 ouais. Sur la nouvelle chaîne. Là. Ouais, mais sur leur nouvelle chaîne. Préviens-les, on verra bien. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi on est là pour les empêcher d'avancer? Qui prend les lignes, prend le recours aux couleurs. On est là pour que ces gens-là ne fouillent pas notre terre. Et pourquoi vous êtes là alors? Sur Internet, tu l'as? Sur comment la télé? Nous, c'est parce que mon père, ça fait un certain moment qu'il milite. Tu entends tout ce qu'il dit et voilà, en grandissant, je me dis que je suis totalement d'accord avec lui et que bon, évidemment, les gens commencent à s'essouffler, il y a besoin de nouveautés, de jeunes et donc voilà. Parce que quel âge tu as? J'ai 18 ans. Tu as 18 ans, donc tu as presque l'âge des débuts des travaux de Bure en fait. Oui, en fait, donc j'ai entendu ça toute ma jeunesse et effectivement, maintenant, voilà, j'ai envie de participer. Merci. Pourquoi vous êtes là? Pour protéger la terre de mes enfants. Mais il faut savoir que les déchets, quand ils vont arriver, ils vont être stockés en surface, donc on aura bien l'installation nucléaire de base. Voilà. Et ça, pour l'instant, personne n'est au courant, les élus ne bougent pas, et il faut qu'on dénonce ça, parce que c'est pas possible. Il faut au moins que les riverains ils soient avertis de ce qu'ils vont avoir tous les jours, au-dessus de leur champ, à de leur porte, à côté de leur village. C'est quand même insensé. On ne nous a pas posé la question. Le nucléaire avance, c'est un rouleau compresseur, en fait. On creuse. Et ce qui est terrible aussi, c'est qu'on nous dit, quand on nous dit qu'on n'est pas d'accord et qu'on a des arguments à faire et des revendications à faire valoir, on nous dit attendez le débat public qui va intervenir en 2013. Mais bon, quand on voit là les camions qui sont en train de scanner tous ces hectares et tout le pognon qui a déjà été mis dedans et l'état d'avancement du projet, qu'est-ce qu'on va avoir à dire en 2013? Rien du tout. Voilà, c'est comme ça qu'on fait en France. On impose, on avance. Sans consulter personne, et seulement après on débat. Donc ça va être vraiment de la rigolade, quoi, ce débat. Voilà, c'est un débat bidon. Un débat bidon nucléaire, comme on en a déjà eu un en 2005, où les conclusions, c'était quand même... les gens disaient, on veut conserver les déchets nucléaires en surface pour au moins s'en souvenir et pour pouvoir les reconditionner le jour où ça fuit. Eh bien, personne n'en a rien retenu, ni les députés, ni le gouvernement, ni l'ANDRA, puisque aujourd'hui, on est en train de préparer l'enfouissement. Aucune dégradation du matériel par les opposants. Simplement présence sur le terrain. Voilà, ils sont en place, ils bloquent le camion.